Réveille-toi! Quoi? Il est arrivé! Le jour le plus magique de l'année! Quoi? Le jour où le vieux barbu entre dans les maisons en plein milieu de la nuit avec un sac pour les enfants? Quoi? Non, et franchement, c'est la description de Noël la plus flippante au monde! Non, je veux dire, aujourd'hui, c'est le jour de la glande! Tu ne veux rien faire du tout aujourd'hui? Non, je fais grève! Parce que dans cette ville, quand il arrive le moindre truc, on finit toujours par courir un marathon! Sérieux, regarde! Ça se tient. Alors on fait quoi du coup? Quoi qu'il se passe, on ne fait absolument rien. Que dalle! D'abord, on ne se lavera point et on ne se coiffera point. Au lieu de ça, on se drapera majestueusement dans nos plaids de cérémonie. Puis on ouvrira la porte du frigo tellement de fois qu'on reverra nos critères à la baisse. Tellement de fois qu'on se laissera tenter par un festin de cornichons périmés, de jus d'orange fermenté, ce qui fut jadis du beurre mais pourrait être du fromage. Si les verres sont sales, on boira dans des bols. Si les bols sont sales, on boira dans des assiettes. On restera couché sur le canapé tellement longtemps que quand on se lèvera, on aura la tête qui tourne et on devra se recoucher immédiatement. Et on continuera à ne rien faire jusqu'à être rongé par la culpabilité de l'extrême paresse et jusqu'à voir notre sueur se changer en graisse. Et à ce moment-là, et pas avant, on aura gagné le droit de se mettre au lit en macérant bien dans notre jus. D'accord, on se lève quand alors? Quand la gêne de devoir aller aux toilettes excédera le bonheur de rester au lit. Voilà, ça évitera les irritations dues à la position assise. Tu me fais le menton? D'accord, mais pourquoi tu as besoin de baume à lèvres ici? Pour ça, la tête de la télé. À ce propos, pourquoi la télé est à l'envers? Tu passes à la vitesse supérieure, là. Ouais, la vitesse inférieure supérieure. Tu veux que j'aille chercher un seau pour... Enfin, au cas où, pour se rafraîchir? Paresse, quand tu dois y aller, mais que tu veux pas bouger. Et si on a envie de changer de jeu vidéo? Waouh, t'as vraiment pensé à tout. Et si quelqu'un sonne à la porte? T'inquiète, j'ai aussi une astuce pour ça. Quoi? On n'ouvre pas. Allez, viens, tout le monde en position. Oh, désolé. Oh non, le téléphone, on fait quoi? On fait rien. C'est quand même très énervant. Oui, le téléphone sonne. Et alors? Il faut simplement faire abstraction. Tu vois, il n'y a plus de... Michel la NASA, vous devez sortir! Une météorite est sur le point d'entrer en collision avec elle. Oui, il y a un scientifique de l'espace. Et alors? Il faut simplement faire abstraction. Oui, il y a une météorite dans le salon. Et alors? Il faut simplement faire abstraction. Oui, il y a un genre de virus qui se propage. Et alors? Il faut simplement faire abstraction. Oui, les gens ont 6 jambes maintenant. Et alors? Il faut simplement faire abstraction. C'est peut-être la fin de notre espèce, mais votre sang renferme la clé. La princesse est prête pour son mariage. Qu'est-ce que ça fait d'être marié à une femme d'une autre planète? Tu vois, ça part tout seul. C'est qui quoi celui-là? Ito Makimaki, Ito Makimaki, Ito, Ito, ton ton ton! T'en veux encore plus? Toujours plus? Abonne-toi pour être le premier à découvrir nos dernières vidéos. Joue aussi avec tous tes héros préférés, c'est gratuit. Direction cartoonnetwork.fr, par ici.